Lorsqu'une attaque puissante est contrée, l'ennemi devient vulnérable. Achevez-le en lui brisant les jambes ou en le projetant au sol. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il court comme ça? Trop vite, il va blesser quelqu'un. Il ne trouvera pas moins cher ailleurs. Vous ne comprenez pas? Alors, quelle imprudence. Je ne sais pas ce que tu cherches. Venez voir mes marchandises. Maudit infidèle! C'est pitoyable! Ça ne sera pas. Tu ne le fais jamais. Tu ne le fais jamais. Tu ne le fais jamais. Personne ne peut espérer me vaincre. Aimez-vous, une aimée plus tôt. Rien par ici. Il est avec moi. Je vais te pourchasser. Ça ne sera pas très difficile. Personne ne peut espérer me battre. Boyuna inmek istiyorsun. Merci d'être venu. C'est un honneur. Que puis-je faire pour vous? Portez la lettre que je vous ai remise au camp de Salah ad-Din. Cherchez un homme du nom d'Hicham. Il vous aidera, et surtout, ne dites rien à personne. Ma mission restera secrète. Alors l'affaire est conclue. Thank you.
c'est d'échapper à quelqu'un. Mais où est-ce qu'il file comme ça? Il court trop vite, il va. Personne n'est plus généreux qu'à Abul Nugud. Chaque semaine, il ouvre les portes de sa demeure au peuple de Damas et lui permet d'oublier ses ennuis et de se divertir. Nos journées sont tristes, mais grâce à lui, nos soirées sont pleines de joie. Le prince des marchands subvient aux besoins de tous, sans jamais rien demander en retour. Puisse sa générosité servir d'exemple. Nous devrions tous tenter de l'imiter. Cassez vue. Je vais parler. Je ne tiens pas à mourir pour lui. Son argent n'en vaut pas la peine. C'est une sage décision. Dis-moi ce que tu veux. Rencontrer le prince des marchands. Ha ! Je te souhaite bonne chance. Il ne quitte jamais ses appartements. Quoi ? Aurait-il peur ? Non, c'est la haine qui le dévore. Il se hait presque autant que ceux qu'il prétend servir. S'il se terre chez lui, c'est qu'il a honte de ce qu'il est. Il finira bien par se montrer. Parfois, il prend la parole, brièvement, lors des fêtes qu'il donne. C'est sa façon à lui de renforcer son sentiment d'appartenance et d'afficher son mépris. Mais que cherche-t-il à cacher exactement? Tu verras bien. Laisse-moi partir. Te laisser partir pour que tu lui divulgues mon plan? Je ne dirai rien. Oui, tu as raison. Va-t'en, paysan, ou je te botte le train. Sauf à Yourdi, Napsa. Ah ben. C'est celui-là. Laissez-moi partir. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Oh, la chérie. Maudit voleur! Vous en prendre à moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Attention. Aïe, il y aura le même. Je vais te taper. Je vais te trancher la tête. Tu veux mourir? N'hésitez pas. C'est une tragédie, bien sûr, mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas...
va blesser quelqu'un, j'en suis sûr. Il a le garde à ses trousses ou quoi? Je me demande où il va. Mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il... Tu vas faire des affaires? Je suis ton homme! Allez, viens! Ne va pas plus loin! Il ne trouvera pas de meilleur marchand que moi! Vieil homme. Il court trop vite, il va blesser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a? Où est-ce qu'il va? Maudit pas le roi chrétien et son armée! Hein. Que la paix soit avec toi, Altaï. Tu as besoin de mes services? J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Ma cible n'a plus de secret pour moi. Bien, fais-moi part de ce que tu as appris. Kabul Nukud est totalement corrompu. Tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Très impressionnant, mon ami. Certains pensaient que tu n'y arriverais pas, mais moi, j'étais sûr que tu réussirais. Et tu réussis de fort belle manière. Dispose de cet endroit comme tu l'entends avant de poursuivre ta mission. Avance rapide vers une séquence plus récente. Croyez qu'il est poursuivi par quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a à courir non, comme ça? Ne partez pas comme ça. Juste quelques pièces. C'est une tragédie, bien sûr. Mais aussi, un grand honneur. Il n'y a pas de plus grand honneur. Bienvenue à tous, et merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Allez-y, nous avons tout le temps. Alors, la fête est-elle à votre goût ? Bien, bien. C'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Salah ad-Din se bat pour faire triompher ses croyances et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité qu'il peut continuer de livrer bataille. Levons nos verres, mes amis. Je bois votre santé, vous sans que je ne couperai pas aujourd'hui la place qui est la mienne. Puisse votre dévouement être récompensé.
Quelle sollicitude! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes habitué si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance. Me prenez-vous pour un idiot? Pensez-vous que je n'entends pas ce que vous dites derrière mon dos? Eh bien, sachez que cela, je ne l'oublierai pas. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici. Non! Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle que vous allez jouer. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Mais pourquoi, les combattants? Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est pour protéger la Terre Sainte ou pour nous protéger du mal? Vous vous mentez à vous-même. Non! Ces souffrances sont nées de la peur et de la haine. Ce qui vous gêne, c'est qu'ils soient différents de vous. Que je sois différent de vous. Compassion, pitié, tolérance. Ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or et de gloire. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans... Ceux qui tentent de fuir. Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi. Ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance? Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Saladin, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà. Pourquoi te cacher? Et pourquoi agir ainsi? Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. Dönecek. Ay, yuvarlayın! Sıkma patates! Kime boyun eğmek istiyorsunuz? El durdurun onu! Dikkat yok!
De tes exploits, mon cher Altaïr. Le règne de terreur d'Abul Nukud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. C'est l'arme d'un lâche. Il a condamné leurs actes et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses excentricités, il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être. Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. T'expliquera peut-être. Oui, nous verrons bien ce qu'il en pense. Avance rapide vers une séquence plus récente.
Lorsqu'une attaque puissante est contrée, l'ennemi devient vulnérable. Achevez-le en lui brisant les jambes ou en le projetant au sol. Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr ? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire ? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes ? Ah, un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire ? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. Deux seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne.